Bonjour tout le monde, ici Atland, et on se retrouve sur une vidéo, sur la première vidéo Feed the Beast saison 2. Donc, première vidéo, parce que il faut quand même mettre les choses en place. Donc, de toute façon, je rappelle déjà que sur cette saison, je ferai beaucoup de choses hors caméra, et dès lors que ce sera intéressant, ce sera une vidéo. Donc, une vidéo. Tutoriel qui risquera peut-être d'être fait, donc ça va dépendre du truc. Alors soit parce que par rapport à la saison 1, donc c'est soit je suis vraiment sûr de mon coup et tout ça, et on peut faire un épisode pas trop long et on fait tout ensemble, donc c'est à dire dans la saison normale comme ça filmé et hop on construit, sauf je ne ferai pas par exemple genre comme dans la saison 1, où je vais dans un coin et je fais genre un petit tutoriel comme ça. Donc ça sera directement les choses, peut-être filmées en les mettant en place directement à l'endroit voulu. Et sinon, ça sera présentation par exemple du système, donc incorporé à la base et tout ça. Donc pour l'instant il n'y a pas de base. Mais, et ensuite on passera genre sur un monde en créa, pour que je vous montre comment se fabriquent les choses, les étapes à suivre pour fabriquer les choses. Donc ça c'est encore quelque chose à voir, je ne sais pas encore, j'aviserai sur le moment venu. Mais en tout cas, j'essayerai surtout, on va dire il y aura deux parties, comme à l'époque mon premier LP sur du Minecraft Vanilla. C'est-à-dire les choses qui sont filmées, les choses qu'on fait ensemble, en créatif, sur le monde en direct. Et puis certaines choses qui, pour expliquer ce qui a été fait en survie et tout ça, mieux expliquer sur un épisode tuto, donc à côté. Donc voilà. Donc, saison 2, j'ai changé de monde. Donc je me suis mis sur un nouveau monde. Il est où le soleil? Il est en train de se coucher. Donc je me suis mis sur un nouveau monde. Donc j'ai rechoisi parmi les mondes que j'ai créés pour Jaconil et Toto 5230. J'ai repris un autre monde, pourquoi? Parce que le monde que j'avais choisi au départ, j'avais que 3 minutes de soleil. 3 voire 4 minutes de soleil. Donc ça, c'était vraiment... Je pouvais pas, je pouvais pas. Il fallait plus de soleil que ça, que le jour dure normal, donc 10 minutes. Donc là normalement j'ai le soleil, il bouge normalement, il a un temps régulier. Donc j'ai changé de monde. Donc je suis sur un nouveau monde. Donc comme j'avais dit, hein, j'avais juste eu la création des mondes qui est en créatif. Après le reste, je n'ai rien gardé. J'ai gardé juste un accessoire qui permettra par la suite, quand on fera des livres, de linker les books. Donc c'est-à-dire notamment les books pour se téléporter. Juste d'un endroit à un autre pour pas les perdre, genre un bouquin pour revenir à ma base rapidement, donc tout simplement, ou quand je vais visiter chez quelqu'un d'autre, que je puisse revenir à ma base d'un coup. Donc c'est pas un descriptive book, ça sera un linking book. Donc y a un truc à faire, et comme c'est un objet qui n'est pas craftable, donc je me suis permis de me le giver. Voilà, ce sera le seul objet, on va dire, triché quoi, cheaté. Donc voilà. Donc cet épisode 1 pour mettre en place les bases. Donc les joueurs, ceci ne s'adresse pas aux joueurs qui connaissent déjà Feed the Beast. Et puis à la rigueur peut-être, ça sera peut-être même pour ceux qui connaissent Feed the Beast, peut-être un moyen de se dire ah oui c'est vrai, j'aurais peut-être dû commencer comme ça. C'est beaucoup plus simple de commencer comme ça. Donc ceci est bien sûr mon point de vue. C'est comme ça que moi je commence le jeu. C'est, on va dire, c'est les petits objectifs que je me fixe dès le départ quand je commence sur Feed the Beast ou n'importe où. Allez, on va mettre le jour pour bien débuter. Donc les premières choses que je fais quand je commence Feed the Beast, donc quand on commence de zéro. Donc tout d'abord, ce qu'il vous faut, c'est des ressources. Trouver des ressources. Donc moi je vais pas aller pour l'instant tout de suite. Vous voyez là-bas, hop, petite cave. Voilà, donc petite mine qui descend. Donc pour récolter, bon ça fait de la cobble et tout ça. Le bois, hein, on va pas dire qu'il faut chercher du bois et tout ça, ainsi de suite. Donc c'est vous trouver vos premières ressources. Première ressource importante que j'ai besoin moi pour Feed the Beast, c'est le diamant.
Bah, je crois pratiquement tout le monde, mais le diamant, le fer et l'or. Après, tout ce qui vient d'autre, et la redstone, tout ce qui vient d'autre, après, c'est que du bonus. Donc, le diamant, le fer et de l'or. Donc, moi, j'ai eu de la chance, surtout pour l'or. J'ai trouvé un mineshaft, donc une mine abandonnée. Donc, à savoir que sur la création des mondes que j'ai fait avec Mistcraft, j'ai fait en sorte que normalement, chaque nouveau monde, chaque monde créé, du moins que j'ai créé, dont Toto et Jaconi le chercheront, prendront un monde dans leur possession, quoi. Mais donc, qu'il y a les villages qui pop, les strongholds et les mines abandonnées. Donc, c'est pour ça. Donc, et puis, j'ai réussi à trouver mon premier filon d'or. Où c'est que je l'ai mis maintenant? Voilà. Mon petit filon d'or dans la mine abandonnée. Donc, du fer, bon, j'en ai trouvé en creusant et tout ça. Et j'ai déjà trouvé du diamant. Donc, j'avais trouvé 9 diamants sur le premier filon. Et là, on est à 11. Il m'en restait 3. Donc, 3 plus 8. Donc, et 8 diamants sur un deuxième filon. Donc, c'est déjà pas mal. Mais c'était les premières ressources que je voulais. La redstone, et puis après tout le reste que vous trouvez, c'est que du. Ça servira plus tard de toute façon. Vous voyez, j'ai déjà de l'uranium. Donc, pour faire quoi? Parce que, donc, pour les ressources, il va falloir tout de suite, il va falloir miner. Et puis, donc, moi, c'est simple, je ne mine pas beaucoup à la main dans Feed the Beast. Après, c'est. J'utilise les tortues. Donc, j'ai déjà crafté ma tortue. La tortue, pour ceux qui ne se souviennent pas du craft, c'est il faut de la redstone, une vitre. Donc, j'ai pas de roche. J'ai pas de roche, si, il m'en reste qu'une. Bon, je vais pas en refaire cuire, on va regarder ça dans le craft tout simplement. La turtle, il faut un computer. Donc, le computer, donc déjà on va se mettre sur la turtle. Voilà, le computer s'obtient avec de la roche. Donc de la pierre lisse, une redstone et une vitre. Donc nous avons un computer. Après ce computer, on met un coffre et du fer, ça nous donne une tortue. Et la tortue, bien sûr, si vous faites une tortue, cherchez d'abord le diamant pour avoir une pioche en diamant. Pour que ça vous fasse une tortue qui puisse tout miner et tout récupérer. Parce que même si vous mettez une pioche en fer sur la tortue, elle va miner les choses, il n'y a pas de souci. Mais disons, si elle tombe sur quelque chose de l'obsidienne par exemple qui n'est que récupérable avec une pioche en diamant, eh ben, elle ne le récupérera pas malgré qu'elle arrivera à passer. Donc ça c'est pour me faire une tortue. Tortue qui va me servir par la suite, si vous vous souvenez de la saison 1, j'ai mon petit programme pour les mines, donc qui va me servir à miner. Et encore je ne les utilise pas vraiment, hein, je vais lui faire de l'excavation. Donc pour trouver, donc bien sûr il faut d'abord aller à la main chercher des ressources. Une fois que vous avez ça, vous faites votre tortue. Mais la tortue, il va nous falloir déjà une première source d'énergie. Et la source d'énergie qui est la lave. Et donc, pour aller assez rapidement, donc parce qu'il va nous falloir donc aller dans le Nether. Donc le Nether, faut de l'obsidienne. Il va nous falloir tout de suite déjà commencer avec des Ender Tanks. Donc les Ender Chests par la suite, mais des Ender Tanks. Voilà, pour transporter le liquide. Et puis faire des petits réservoirs. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pour ça, il y a un truc tout simple. Donc il va falloir aussi aller se chercher. Il va falloir taper du mob pour récupérer ça, des éclats de minium. Donc ça, d'ailleurs, j'en ai besoin. Le fer, j'espère que j'aurai assez de fer sur moi. Hop, 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 hop. Sinon, on partira faire une courte session minage. Donc ce qu'il faut déjà, bon, allez hop, on va cramer le fer. On va cramer. Ça j'aurais pu préparer ça. Hein. L'or. Alors, ce qu'il nous faut donc pour les Ender Tanks et pour aller dans le Nether, donc pour aller dans le Nether, il nous faut de l'obsidienne. Pour faire les Ender Tanks et tout ça, il nous faut surtout une Ender Pearl. Une Ender Pearl et même, je crois, de l'obsidienne. Donc déjà, on va voir. Donc déjà, la chose qui est bien dans Feed the Beast, c'est que pas besoin de partir chasser de l'Enderman et tout ça. Pour faire de l'obsidienne et pour faire des Ender Pearls, on peut les crafter. Les crafter grâce à ceci. Donc, une pierre. On va taper minium. Voilà, grâce à une pierre de minium. La pierre de minium. Donc, c'est pour ça qu'il faut taper du monstre. Parce que les éclats de minium, on les reçoit en tapant, en tuant du zombie, du squelette. Voilà, en tuant des monstres. Bah, moi, j'ai surtout tapé du zombie.
Donc, il faut faire pour cela une pierre inerte. Donc, la pierre inerte, donc c'est pour ça qu'il faut du fer, il faut minimum déjà un lingot d'or. Donc, du fer, de la roche et de. Pardon, excusez-moi. Du fer, de la roche et de l'or. Donc, là, ça, c'est déjà en train de faire. Il me faut de la roche. J'en ai que un. On va. Quand c'est terminé, on va en faire. Voilà, hop. Fais-moi cuire de la roche. Hop, donc il me faut de la roche. Donc là, j'ai du fer déjà. Ok, par contre, j'en aurais peut-être pas assez pour. J'en ai 9. J'en ai que 9. Si, ça devrait aller. L'or, il en fallait que 1. Donc on va faire cette pierre de minium. Donc déjà, pierre inerte, il me faut la roche. 1, 2, 3. Allez, un quatrième. Quatrième. Allez! Voilà. Elle est où? Ah, je l'ai pas récupérée. Tac. Donc la pierre inerte. Donc tac. Avec un lingot. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'aurai assez pour faire déjà une Ender Pearl. Malgré qu'il en faut deux. Donc il faudra de nouveau du fer. Mais donc c'est pour vous montrer dans le principe. Donc là maintenant ça. J'espère que j'en ai assez, sinon il faudra juste trop tuer du monde. Voilà, j'ai une pierre de minium. La pierre de minium, vous voyez, je la mets là. Je prends 1, 2, 3, 4. Là, le craft, vous pouvez mettre comme vous voulez. C'est 4 lingots de fer. Hop, on a une Ender Pearl. Alors ça, c'est génial parce qu'on peut crafter des Ender Pearls. Ce qui est bien, c'est que la pierre là, elle a une durée de vie finalement. Je ne sais pas de combien, mais elle n'est pas bouffée dans le craft. Donc après, pareil, si je me trompe pas. Non, c'est pas ça. L'obsidienne se craft aussi. Donc, hop. Oupsi, j'ai pas révisé mes cours, hein, donc. Ah, avec du bois. Ah bah c'est bien, c'est deux planches de bois. Donc vous voyez, grâce à la pierre de minium, on peut faire l'obsidienne. Donc pour avoir tout de suite un portail directement opérationnel, hop, ben on va se faire ça. Donc du bois, j'en ai. On va peut-être en avoir plus. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi je trouve du bois dans ma mine. Si, c'est pas des conneries. D'ailleurs, pour info, donc vous voyez là les drôles de structures là, c'est que du bois. Et j'ai des filons comme ça de bois dans le sous-sol. Donc ce qui fait que j'aime bien, je vais miner et je trouve du bois. Donc du bois de chêne. Donc c'est super bizarre. Donc hop, là, donc là pareil. Donc bon, ce qui est bien, c'est qu'en plus ça, on peut faire. On peut faire ceci directement. Alors je sais pas si je mets comme ça. Oui, si, ça ira plus simple. On peut faire directement ça sur votre inventaire à vous normal. Donc là, pour une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors il en faut 2. 5. Ouais, je crois 10 ça suffit. Bon, 1, 12, 13. Allez, on va en faire 14, merde, 15. C'est pas grave. Donc vous voyez, la pierre de minium, là. Je sais pas combien elle a de vie au total, mais voilà, il y a de quoi faire. Ce qu'il faut, c'est l'Ender Tank. L'Ender Tank, donc, on va voir déjà. Tank. Voilà, l'Ender Tank. Il nous faut deux obsidiennes. Oh, un chaudron. Ah, des bâtons de blaze. Bah, c'est pour ça qu'il faut aller dans le Nether de toute façon. Et merde, c'est dommage parce que je vais pas pouvoir. Allez, il n'y a pas un truc qui permet de crafter les bâtons de blaze. Non. Ça aurait été trop beau. Donc il faut déjà aller dans le Nether. Dans le Nether, et puis bon là c'est là que on va se faire aussi un petit briquet. Ouais, j'ai tout juste, il me reste. Hop. Hop. Non, c'est l'inverse. Voilà, un briquet. Bon, donc déjà on va pouvoir aller dans le Nether. Alors là, maintenant on va tester un truc, parce que là maintenant c'est là que on va un peu s'éloigner. C'est la probabilité. C'est est-ce que dans les mondes parallèles, je peux créer un Nether, donc un Nether personnel ou pas. Donc c'est ce que nous allons voir. Donc tac tac hop 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 tac tac. Voilà mon briquet. Non!
Je peux pas aller dans le Nether dans le monde normal. Ok. Super. Donc déjà, je ne peux pas aller dans le Nether avec un monde normal. Donc il va falloir aller dans le Nether, dans le monde, du moins dans le monde, dans la carte originale. Oula, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps à casser tout ça. Bon, on va laisser, je vais juste aller me refaire. Hop, j'ai du bois, je me refais deux. Et puis de l'obsidienne et hop, hop. Ah, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 11. Bon, je sais qu'il y en a trop. Bon, et ben, écoutez, on va aller dans le monde normal, dans l'overworld. Et puis, on va se faire un petit portail du Nether. Et puis comme ça, hop, ce sera fait. Et puis après, je ferai certainement une coupure pour trouver la forteresse. Et me trouver 4 bâtons, ben 4 pas 4. Ce qu'il faut pour l'Ender Tank. Il me faut 2 Ender Tank. 1, 2, 3, 4. Donc 8. Il faudra une deuxième Ender Pearl, un chaudron, donc du fer. En bref, donc voilà, déjà petite coupure pour aller faire ceci. Et puis donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Donc voilà tout le monde, donc voilà, après avoir cherché tout ça, donc je pense que de toute façon on peut que faire une porte du Nether vers le monde, à partir du monde normal de l'Overworld, ce qui est plutôt bizarre, voilà, je sais pas, donc au départ j'ai cru, je me suis d'abord dit, je fais est-ce que c'est parce que l'obsidienne je l'ai crafté, non, ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est à partir du monde normal donc, que l'on peut faire. Donc voilà, donc là j'ai fait une porte du Nether, je suis pas encore allé dedans, c'est je voulais découvrir le Nether avec vous. Enlève le briquet, va pas faire le con. Et puis donc, découvrir le Nether avec vous pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Ah zut. Je suis en... pas. Voilà. Donc il y a peut-être eu une petite coupure. Oula. Hop. Donc voilà le Nether. Donc espérons. Donc la lave, c'est ce qu'il me faut. Donc il faudrait une forteresse. En plus, je ne suis pas équipé pour fouiller. Pour m'aventurer dans le Nether. Salut. Donc Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'attaque? Non, dégage. Je suis en feu. Donc il faut trouver une forteresse. Bien sûr, il n'y en a pas une à proximité. Il va falloir que je m'équipe et tout ça. Donc pour aller explorer le Nether. Donc voilà. Donc tout ça, donc je vais le faire hors caméra et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. C'est quoi ça là-bas? Non, c'est pas. Donc voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, coucou tout le monde. On se retrouve juste un peu vite fait, donc c'est histoire de vous montrer. Donc je vais mettre au travail mes tortues, donc pour l'instant une. Après la deuxième, il me faudra juste beaucoup de torches, ce qui n'est pas un souci car j'ai fait du charbon. Hop, fais-moi du charbon encore. Donc je vais mettre, comme il faut que je récupère du matériel pour aller voilà, il faut que je récupère des choses pour aller explorer le Nether et tout ça. Donc il me faut déjà des minerais. Donc je vais mettre au travail la mine. Et donc ça, pour ça, je vais utiliser ce que j'avais utilisé dans la saison 1, c'est-à-dire mon programme que j'ai fait pour faire ma mine optimisée. Donc ma mine, il va me creuser ma mine. Et puis moi, j'irai tout simplement arpenter les couloirs pour récupérer les ressources. Donc c'est juste pour m'éviter de moi creuser. C'est la tortue qui va creuser. Donc combien de tunnels je veux? Donc je vais lui dire 4 pour l'instant. Quelle sera la longueur des tunnels? Je vais lui dire 15 pour le moment. Donc, niveau de carburant actuel, j'ai 6031, je vais pas recharger.
hop, et on appuie sur une touche pour démarrer. Et puis là, hop, j'ai la tortue qui va me creuser donc mes tunnels. Ouais, du diamant. Ouais, là encore. Ouais. Et devant vos yeux, hein, elle a trouvé du diamant. Donc ça, c'est génial. Et dire que le premier filon de diamant, je raconte pas de conneries, hein, le premier filon de diamant, je l'ai trouvé ici. Donc voilà, jusqu'ici. Et puis finalement, une galerie juste à côté, il y avait encore du diamant. Et hop. Voilà. Ouais! Devant vous. Du diamant. Impeccable. Et du fer. Donc voilà. Donc moi, j'ai juste à récupérer maintenant. On va mettre ça là. Moi, j'ai juste à récupérer, à arpenter les petits couloirs qu'elle a fait. Hop, pour récupérer. Bon, la redstone, pas pour l'instant. Le led or, pas pour l'instant. Moi, ce que je veux, c'est. Hop, désolé, la tortue. Eh merde. J'ai fait foirer le truc parce que je me suis mis devant. Donc, elle n'est pas retournée jusque-là. Parce que pour elle, elle a fait des mouvements. Donc, vous voyez, il y a du bois. Donc, elle va même récupérer du bois. Donc là, est-ce qu'elle a trouvé? Non, sur. Bon, 15, hein, c'est petit, hein, je conseille de faire plus. Mais là, c'est, je veux juste trouver du fer. Donc du fer, là, j'en ai déjà 20. Je suis déjà préparé pour une armure. Bientôt. Tac. Non, voilà, j'ai nouveau fait le con à regarder. Donc le programme, c'est pas le programme qui merde. C'est que. Ah, il me fait des. Elle me fait des couloirs trop petits par contre. Par contre, il y a une modification à faire dans le programme. C'est bizarre. Il va falloir il y a une petite modification à faire quand même dans le programme. Parce qu'il est censé avancer de 2. Il faut dire que là, j'utilise des vieilles sauvegardes. Donc c'est pas la sauvegarde du programme que j'avais terminé, que j'avais fait. Comment dire hop. Donc bon, c'est pas grave, je corrigerai, je fixerai ça. Voilà. Et donc là, dans la tortue, hop, on récupère, hop, ça. Bah tiens, elle a fait du bois. Hop. On récupère la tortue. Donc voilà, donc je vais utiliser mes tortues pour récupérer donc le matériel que j'ai besoin de trouver pour les minerais que j'ai besoin. Donc voilà, donc on se dit à tout à l'heure. Pour la suite de cette vidéo. Et nous revoici donc dans le Nether. Donc je voulais aller explorer tout ça pour trouver la forteresse. Finalement, j'avais pas fait gaffe. Ça se trouve peut-être que vous avez vu ça ou pas, mais moi je l'ai pas vu tout de suite. Et du coup, donc je suis parti un peu par là-bas, mais pas très loin pour essayer d'aller vers là-haut, mais c'était bouché. Et puis là, je me suis dit, il faudrait que je trouve un moyen pour descendre, pour voir et tout ça. Et puis finalement, là, regardez, je suis juste à côté du portail. Qu'est-ce qu'on voit? La forteresse. Donc j'espère qu'elle est assez grande, mais donc il va falloir que j'aille vers là-haut. Donc je vais passer par ici, je vais descendre par là en creusant dans la montagne, et donc pour aller explorer cette forteresse. Donc voilà, donc nouveau petite coupure. Alors ça fait beaucoup de coupures, mais bon, c'est que je peux pas filmer tout ça d'un coup et tout ça. Je vais pas non plus vous faire des gros épisodes. Donc voilà, donc on se dit à tout à l'heure si je trouve mes blazes. Et voilà, donc nous revoici. Donc voilà, je sais que ça fait pas mal de petites coupures, mais bon, c'est histoire de pas vous traîner en longueur. Donc j'ai récupéré, donc j'ai trouvé dans le Nether, donc la forteresse. Au début, j'ai cru me faire arnaquer qu'elle était toute petite. Finalement, j'ai quand même réussi à avoir un spawn, à trouver un spawn de blaze. Donc oui, j'ai pu récupérer donc 13 bâtons de blaze. Il m'en faut que 8, bon, ça va, j'en ai déjà 13. J'ai déjà commencé à préparer ce qu'il va falloir. Donc le but, c'était donc d'aller. J'irai pas dans le Nether récolter la lave du Nether. Parce qu'on avait décidé de faire un monde de lave et un monde pétrole. Donc j'irai récupérer moi ma lave donc dans le monde de lave, justement. C'est histoire qu'on n'assèche pas le Nether, parce qu'on ne sait pas ce que deviendra par la suite, justement, ces cartes. Et donc un monde de lave. Et donc pour aller récupérer donc cette lave, il fallait donc des ender tanks, il faut une pompe, des moteurs et tout ça. Donc voilà. Donc là, j'ai essayé de préparer tout ça et on va crafter ça ensemble. Hop, mets-toi à la vue. Donc voilà, j'ai essayé de faire pas trop long. Normalement, j'ai droit de rajouter que
15 minutes à ma vidéo pour qu'elle soit pas trop longue. Donc, petit chrono pour être sûr. Excusez-moi. Voilà, petit chrono, 15 minutes. Donc, j'ai une belle hache plantée dans la tête. Alors, voilà, un peu. Non, pourquoi que... Voilà. Donc, déjà, on va dormir. Faire passer le jour. Faire passer la nuit, je veux dire. Top, 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 top. Voilà. Donc, on va crafter, cette fois-ci, donc, les Ender Tanks. La perle du néant, donc l'Ender Pearl, hein, qui se craft avec la pierre du minium, je l'avais déjà montré. Donc l'Ender Tank, c'est comme ça. Ah oui, de la laine, donc j'ai été chercher deux moutons. Ça y est, je sais déjà plus. Ah, il me faut les... où c'est que j'ai mis l'obsidienne? Il m'en faut plus que ça. Plus que ça, c'est pas grave, ça se craft l'obsidienne, ça se craft. Tank. Ender Tank, ouais, c'est deux. Il me faut juste une obsidienne en plus. Donc, je n'aurais pas... Non, j'ai pas envie d'aller... Je vais mettre 15 ans à aller la trouver là-bas, alors que là, si je prends juste du bois... Il est où le bois? Du bois. Donc, il m'en faut deux. Avec ma pierre de minium. Donc, tac. C'est magique, ça. Ah, obsidienne. 4. Hop, la pierre de minium. Tout de suite, je la range. Alors, hop, obsidienne, tac, 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 voilà, de la laine, un chaudron et Ender Pearl, et tac, voilà, deux Ender Tank, il va me falloir de la couleur, tiens, j'ai vu des, j'ai, rouge. Ça m'en donnera deux. Bon, c'est pas grave, là ça fait hop. 3. On va prendre du jaune aussi. Ou juste rouge, 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 rouge. Pop, 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 pop. Bon, allez, comme c'est la lave. Pour l'instant, l'Ender Tank en rouge. Oui, donc le truc c'est que comme on est sur un serveur, il faut s'attribuer une couleur aux Ender Chest ou aux Ender Tank. Donc, là, j'ai fait mes Ender Tanks, justement. Donc, on va, pour l'instant, hop, on va les poser là, pour leur attribuer la couleur. La couleur qui s'obtient comme ça, ok. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Hop. Et on récupère. Waouh. C'est costaud. Allez, voilà. Donc, Ender Tank, c'est fait. Il nous faut des moteurs. Il nous faut une pompe. Donc, la pompe. La pompe qui s'obtient. Donc, il faut crafter donc, engrenage de fer. Donc, l'engrenage de fer, c'est un engrenage de bois qu'on entoure de pierre, qu'on entoure de fer. Donc, c'est normalement, si je ne me trompe pas, c'est ça. 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 La pioche et une redstone. Voilà. Donc là, j'ai un mineur. Ah merde. Et pour la pompe, il faut que je rajoute un réservoir, je crois. Donc, là, pour faire des réservoirs, j'ai fait du fer, du verre. Donc, un réservoir. Hop, si je mets le réservoir avec le mineur. Voilà, j'obtiens la pompe. Donc, nous avons la pompe. Ensuite, il faut alimenter cette pompe. Il faudra l'alimenter. Ah ! Il me faut un... il me faut un truc. J'y pense, mais ça va venir. Alors, il faut des moteurs. Donc, des moteurs de redstone. C'est le plus simple hein, au départ. Surtout quand on veut juste ramener pas beaucoup de liquide et tout ça. Donc, piston. Engrenage. Il y a 3, 4, je crois, du fer. Pourquoi j'ai autant de fer? Du fer et. Et du bois. Et c'est pas ça. Non, c'est du verre. Ouais, voilà. Donc, 4 moteurs de redstone qui alimenteront la pompe pour remplir le pétrole. Donc ça, c'est bon. Non, j'ai dit 4.
Ah, j'ai pas mis assez de... Voilà. 4 moteurs de redstone. Ensuite, nous avons nous avons l'Ender Tank, nous avons les moteurs de redstone, nous avons la pompe. Il nous faut des réservoirs pour réceptionner ici, donc je peux construire de gros réservoirs. Pour l'instant, si j'ai besoin juste de petits, ben, 3, ouais, allez hop, 3. Ça sera pour en fait mettre de la lave dans la tortue. Et puis comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis l'alimenter en fait, alimenter la tortue. Donc j'ai la pompe, j'ai ça. Donc il me faut aussi avant de partir un chunk loader. Alors, chunk loader. Donc c'est une table d'enchant entourée d'or. Heureusement que j'ai encore de l'or et d'une ender pearl. Donc ça, deux diamants, un livre. Donc il me faut de l'obsidienne. Donc ça, hop. Un, deux. Alors, hop. 1, 2, 3, 4. Merde, 5, 6. Voilà, des bouquins, j'en ai plein. Et parce que j'ai trouvé un temple, un petit temple avec des pages. Donc, forcément, j'ai cassé les bibliothèques, j'ai des bouquins. Salut, toi. Tiens, reste à la maison. Alors, du diamant, ça il doit m'en rester. De toute façon, voilà. Hop. Alors, il faut. Donc, nous allons. Donc, une table d'enchantement, normal, tout simplement. Hop, de diamant. Ah, et l'Ender Pearl. L'Ender Pearl qu'il faut que je crafte. Donc, heureusement qu'il y a la pierre de minium. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop. Alors, l'Ender Pearl. L'obsidienne et le diamant. Non, c'est le livre, c'était pas une Ender Pearl tout de suite. Voilà. Nous avons, voilà. Et puis maintenant, l'or. Il nous faut de l'or. Donc, que nous avons ici. Et la table d'enchant qu'on entoure d'or avec une perle. Voilà. Et hop, et chunk loader. Donc, c'est pour garder le chunk actif. Là, on va poser la pompe. Pour que ça puisse toujours nous envoyer de la lave. Tiens, dégage le poulet. Allez, sors. Ah ben mort. Pour garder le chunk actif, pour qu'on puisse toujours que la lave soit toujours acheminée vers chez nous. Donc, ça je vais ranger. Je prends un seau, j'ai besoin d'un seau. De la cobble, ça j'ai besoin. J'ai mes ender tanks. J'ai plus besoin, je crois, de ça. Ça non plus. Le fer non plus, le verre non plus, ça 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 non plus. Pup, 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 pup. Voilà. Donc on va aller commencer à s'acheminer le pétrole, la lave. Donc pour ça nous allons donc dans le monde, dans l'overworld. Hop. Et donc pour l'occasion j'avais créé un monde lave, un monde pétrole. Donc là, hop, monde lave. Voilà. Donc c'est ici qu'on va chacun avoir son exploitation de lave. Allez, hop, voilà. Quand je dis monde lave, c'est il n'y a que de la lave. Oh, du quartz. C'est beau ça. Donc, je vais juste, pour que ce soit pas dangereux. Voilà, hop, on va. Comme ça. Hop, 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 hop. Donc, je vais faire ça hors caméra et on se revoit tout à l'heure. Donc, nous revoici. Donc, nous allons mettre en place. Donc, maintenant, donc j'ai fait une petite plateforme hein, vite fait pour m'éloigner un peu. Donc, nous allons mettre en place le matériel. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons la pompe. Tout simplement. Hop. Que nous allons relier à des moteurs. Donc moteur de redstone. Très facile à crafter et puis à utiliser. Donc là, et puis que nous allons alimenter. Tac, tac. Et nous allons mettre l'Ender Tank par-dessus. Et allez.
Voilà, et donc là, il devrait commencer à se remplir. Voilà, vous voyez, l'Ender Tank qui se remplit. Donc, ici, nous allons juste laisser un chunk loader. Donc, hop, que nous allons poser ici. Que nous allons, hop, 3 chunks, 3, 25 chunks. Voilà, ça suffira amplement pour l'instant. Pas besoin de plus. Donc voilà, et nous pouvons retourner à la maison. Donc, pour réceptionner notre lave. Donc ici, hop, on part à la maison. Et donc là, la lave, je vais, on va utiliser cette montagne, on va creuser cette montagne. Donc là, dans le sol, c'est pas ici, c'est pas grave, je m'en fous de la mine. Donc, c'est pas grave, on va comme ça ici. Voilà, comme ça. Un peu caché, ça, comme ça on pourra boucher. On va creuser la montagne. Donc pour récupérer les matériaux. Donc ce qu'il va nous falloir aussi, c'est des coffres. Des coffres. Voilà, donc ça c'est déjà préparé. Donc je vais juste. Bah non, je vais vous montrer déjà, on va récupérer notre. Pour alimenter notre tortue. Donc je vais mettre de la lave, hop, ici. Un réservoir. Oh. Voilà, on va mettre l'Ender Tank sur le dessus de nos réservoirs. Donc c'est histoire d'avoir un peu de réservoir. Et on tourne le robinet pour. Voilà. Voilà. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est la contenance de lave. Et donc voilà. Donc là, pour l'instant, les moteurs, bon, les moteurs, ils vont tourner. Ils sont pas encore chauds, ils tournent pas vite, mais c'est pas grave. Une fois que ça c'est plein, même si le moteur tourne, la pompe arrêtera de pomper vu qu'elle peut envoyer nulle part. Donc j'ai le seau. Donc là, nous avons la lave. Donc je vais juste préparer. Oula, là, un peu de lumière. J'ai dit un peu de lumière. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi il m'a mis une échelle? Lumière, voilà. Hop, ça, voilà. Donc je vais préparer encore une fois petite coupure. J'espère que c'est pas trop embêtant. Laissez-moi en commentaire, hein. Sinon je rechange, je reformule totalement les épisodes autrement. Donc voilà. Nous allons commencer donc à lancer une exploitation. Ah, il me faut un nouveau chunk loader aussi. Donc c'est pas grave. Donc voilà, je vais aller chercher ce qu'il faut, faire un chunk loader encore. Et puis nous allons attaquer le forage. Donc à tout à l'heure. Et nous revoici. Donc voilà, donc nous touchons au but, nous arrivons sur la fin. Donc est-ce que j'ai récupéré la tortue? Oui, ah. Il faut que je fasse. Ah merde, du diamant. J'ai oublié le diamant. Faut que je fasse encore un chunk loader. Donc le chunk loader, donc avant j'ai dit c'est pour garder les chunks actifs et tout ça. Donc c'est surtout en fait pour garder les chunks actifs quand nous ne sommes plus à côté et même si on quitte le serveur. Donc c'est-à-dire que la pompe là où elle est continuera de tourner et ma tortue après quand on quittera continuera de tourner même si je ne suis plus sur le serveur ou en tout cas à côté d'elle. Donc c'est à ça que servent les chunk loader. Et donc là il me faut deux diamants. Hop. Et là j'ai bouffé pas mal de. Ah j'avais un coffre en bois ici. C'est pas grave. J'ai bouffé pratiquement tout mon fer parce que j'ai fait des coffres en fer, donc c'est ce qui va me permettre pour l'instant de récupérer ce que la tortue va miner. Donc j'espère que 4 coffres en fer, c'est quand même 4 doubles coffres en bois. De toute façon, j'ai plus assez de fer. Je crois plus que j'en ai. Non, là j'en ai que 2. Ouais, non, j'en ai plus d'autres. Donc on va se débrouiller, quoique on va mettre juste au cas où. On va prendre du bois, on va faire des coffres en bois. Hop. On va aller. De toute façon, il va me récupérer du bois dans les mines. Vu que j'ai des mines dans les bois. Comme ça, on sera sûr. Non, non, pas comme ça. Voilà. Hop.
Et voilà, comme ça j'aurai de quoi sûr pour être sûr que la tortue travaille et que je ne perde pas tout. Parce que si elle travaille et qu'elle éjecte les trucs et puis qu'ils sont pas stockés, ça sera perdu. Donc non, je pense que j'ai tout. Donc on va faire la petite installation. La petite installation. Donc ça c'est vraiment c'est pour les débuts, pour commencer à récolter des minerais, du minerai et puis même de la terre, de la pierre, de la cobble. D'ailleurs, j'ai du diamant. Non, il me fallait du. Il me faut de l'encre et je sais plus quoi. Donc bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je le fais pas. Il y aura pas. On récupère tout, même la cobble et tout ça. Donc nous avons notre tortue. Donc notre tortue, nous allons la placer ici. Donc c'est là qu'elle commencera à miner. Donc hop, là. On va hop, faire un petit espace, voilà. Donc là, il va falloir déjà la remplir de carburant. Donc là, on prend un seau, hop, on ouvre la tortue. Bon là, c'est sûr, ça va être du répétitif, mais allez. Refuel, tac, 6000. Donc, non. Ainsi de suite, veillez vraiment à bien blinder la tortue. Donc, faut vraiment la blinder, mais à mort. Voilà, hop, on tac. Ah, donc à chaque fois ça met 1000. Donc ok, donc écoutez, tac, voilà, refuel. Voilà, ça va être un peu long, donc je propose encore une fois. Et on m'appelle sur. Hop. Qui c'est qui m'a appelé? Pour l'instant, on va mettre ne pas déranger. Voilà. Et en plus, ça a peut-être coupé Feed the Beast et que ça n'a pas merdé l'enregistrement. Donc voilà, je suis là. Donc ça, hop. Au fuel. Je suis à 11 000. Je vais aller jusqu'à à peu près. Bah écoutez, je vais remplir et puis on va. Hop. Comment qu'on pourrait faire? Voilà. Bon, écoutez, nouveau petite coupure. Je vais bien remplir la tortue et on se voit tout à l'heure. Et donc voilà, donc j'ai bien rempli la tortue, elle est à 49 514 de combustion. Donc normalement, en théoriquement, elle est capable de faire 49 514 mouvements. Donc j'ai dû prendre un deuxième seau hein, pour aller plus vite. Vous voyez, je remplissais deux par deux. Donc voilà, donc maintenant, nous allons. Alors pour ceux qui se souviennent plus, qui se souviendraient plus, là je la casse et tout ça, et vous voyez que si maintenant je tape. Au fuel, elle est toujours là. C'est que la tortue, je lui ai donné un nom. Comme ça, elle ne perd pas son carburant. Donc, si je tape ID, vous voyez qu'elle s'appelle Mine Atland. Donc, pour mettre un ID à une tortue, vous tapez la commande label 7 et espace plus un nom. Et puis, donc, ça donnera une identité à la tortue, ce qui fait que vous pouvez la charger en carburant et tout ça, et vous pouvez la casser, la reposer, elle ne perdra jamais ce qu'on lui a mis, les programmes qu'on lui a mis dedans et tout ça, ni le carburant. Donc voilà, donc là maintenant la tortue est prête. Donc juste je vais mettre, qu'est-ce que j'ai? Non, c'est rien, c'est juste les touches inventaire, je voulais l'inventaire. Donc on va mettre un coffre derrière la tortue. D'ailleurs, on va d'abord la lancer. Donc là, le coffre, c'est juste pour que je ne perde pas. Voilà. Là, il faudra. Voilà. Donc, on va lancer la tortue déjà pour qu'elle fasse son travail. Donc là, on va lui demander Escavate. Je vais lui demander 30 sur 30. Donc elle va faire un carré de 30 sur 30 et creuser jusqu'à la bedrock. Donc si ça fonctionne bien, voilà, donc elle est en train. Donc voilà, donc là maintenant elle va faire un carré de 30 sur 30 et creuser jusqu'à la bedrock. Et à chaque fois qu'elle sera pleine,
elle va venir se vider dans le coffre. Donc là, je vais juste ouvrir. Et donc le coffre, lui, on va demander de... elle était posée là, j'aurais dû la mettre ici. Bon, c'est pas grave. Donc le coffre, lui, on va lui demander de se vider dans d'autres coffres. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai fait des tuyaux de transport en bois, donc il m'en fallait juste un. Mais bon, là, c'est pas grave, pour le coup, ça m'en fait 8. Hein. C'est 2 morceaux de bois, 1 morceau de verre, et puis ça vous en donne 8. Et là, j'en ai fait en pierre. Donc, on va relier... hop, hein, le tuyau de transport, non, rien là. Le coffre, on le relie au tuyau de transport en bois. La tortue, elle revient déjà, donc elle creuse. Donc elle va me creuser la montagne. On va mettre des... hop, des tuyaux, des moteurs de redstone. Donc ça, c'est pour vider. Le fait de mettre un moteur sur un tuyau de transport en bois qui est relié à un contenant, à un conteneur, je veux dire, ça, ça permet de vider justement ce conteneur. Donc là, et là, on va faire hop, un peu de place. Là, on va faire aller. Donc c'est un peu à chine dans, c'est pas redirigé, c'est pas trié. C'est juste que ça va aller tac, 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 tac. Ça va aller dans des coffres. Donc, coffre en fer. Donc, on va mettre là pour pouvoir voir dedans. Voilà. Hop. Donc, si... bon, je vais mettre là. 1, 2, 3, 4. Et on va continuer avec du double coffre. Ouais, si, c'est bien relié. Et puis... là aussi, ça relie, ouais, voilà. Donc c'est un peu placé, voilà, à la chine dedans, mais bon, voilà. Et donc là, est-ce que j'ai accès à celui-là? Oui, j'ai accès à celui-là, j'ai accès à celui-là. Et donc là, maintenant, on peut faire le test jusqu'à ça. Vous voyez, si maintenant je mets la terre dedans, vous voyez que la terre, elle est aspirée. Deux par deux, donc tout doucement pour l'instant. Faut que les moteurs y chauffent. Donc quand les moteurs seront chauds, ça aspirera plus vite. Donc c'est-à-dire ce sera deux par deux, mais rapidement. Donc sauf là, pour l'instant, ils sont pas encore chauds. Mais ça permet donc de vider le coffre. Et en général, le temps que la tortue parte et revienne, le coffre a entièrement... parce que la tortue, elle a que ça de capacité, 9. Hein. Donc elle pourrait revenir 3 fois se vider... comment dire, dans le coffre sans problème. Mais en général, les moteurs ont réussi, auront réussi à vider ce que la tortue met dedans avant qu'elle ne revienne. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça que je vais laisser travailler la tortue. Donc là, par contre, je vais faire juste un petit... hop, 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 hop. La torche, voilà, on te remet bien sans couper le courant. Là, ce sera pour voir l'intérieur donc de ce qui se passe. Donc voilà, et puis il n'y a plus qu'à laisser travailler. Donc c'est comme ça que je récolte mes premières ressources, moi, dans Feed the Beast. Donc j'espère que cet épisode, alors là, dites-moi, je pense que j'essaierai de remanier ça autrement la prochaine fois, mais je voulais faire en un épisode comment trouver, comment commencer sur Feed the Beast. Alors vraiment, quand on est au tout début et tout ça, avoir les premières ressources et tout ça. Donc moi je n'ai pas beaucoup miné à la main. Donc voilà, et puis maintenant toutes mes ressources, c'est la tortue qui va commencer à me les ramener en faisant une grande excavation et en me donnant toutes les ressources qu'elle va trouver au passage. Et par la suite, ce sera des carrières. Donc beaucoup plus simple, mais il faudra de l'énergie avant. Donc voilà, donc pour débuter, recevoir des ressources, moi c'est comme ça que je fais. C'est seulement, c'est mon point de vue, mais je trouve que voilà, c'est un bon moyen pour, disons maintenant je vais déconnecter. Ah, il faut que je mette, je ne l'ai pas construit, le deuxième chunk loader. Donc là, hop, tac, 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 hop. Ah merde, l'or, de l'or, de l'or. Est-ce que j'ai encore de l'or? Est-ce que, je ne sais pas si j'ai assez d'or, parce que là ça serait ballot. Ouais, ça va, j'en ai encore assez. Sinon, de toute façon, je sais que
Il y a la mine abandonnée où j'ai repéré de l'or que je pourrais aller récupérer à la main sans problème. Et voilà, donc on va juste mettre en place le chunk loader et je peux quitter le serveur sans problème pour pouvoir aller... Bah voilà, je peux laisser travailler, revenir demain, voir ce qu'il y aura dans mes coffres. Donc, on va poser un chunk loader ici. Allez, là, à côté. On active... Là, je pense que... Est-ce que ça couvrira? Oui, je pense que ça couvrira toute l'excavation. Pour être sûr, on va pousser un peu plus loin. Voilà. Là, normalement, ouais, ça prendra... D'ici, ça va jusqu'où? Ça va jusque là-bas. Allez, hop, pour être sûr. Ouais, je pense que ça ira jusque... Ça ira assez loin. Je pense que ça ira assez loin. Ouais. Voilà, donc, merci d'avoir regardé cet épisode. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos retours sur ce premier épisode. Je pense que la façon dont il aura été fait, monté... ça sera peut-être un peu brouillon, je pense. Dites-moi justement qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois pas garder. Non ! Enfoiré ! Enfoiré de Creeper ! Donc il m'a fait des dégâts, mais il a pas fait de dégâts sur le monde. Hein. Alors ça, c'est un truc. Ça, j'ai tout de suite enlevé. Hein. Le griffe des mobs. Qui... Voilà, parce que j'ai eu le cas avec un Creeper, donc ici. Donc au moment où j'ai essayé le portail et que ça marchait pas, il y en a un qui a pété ici et puis il m'a fait ce beau trou hein, ici. Hein. Ça a peut-être pas l'air comme ça maintenant, mais ici il n'y avait pas de trou. C'était plat. Donc il m'a fait un sacré trou. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On va juste passer à la petite vue. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à me dire. Donc qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas dans cet épisode? Donc je parle de la façon de l'avoir monté, mais je pense que les prochains seront moins brouillons. Là c'était histoire de vous montrer la façon dont je débute vraiment, comment je fais pour récolter mes premières ressources et tout ça. Donc voilà, ce qu'il fallait faire pour avoir les premiers trucs, donc chercher une forteresse du Nether, chercher des bâtons de blaze, ainsi de suite. Et voilà, donc hop. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des retours justement. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Au passage, n'hésitez pas à partager aussi, ça fait toujours du bien donc de faire découvrir ça aux autres qui ne connaissent pas. Et puis, on se dit sur la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.